Le secteur du luxe est-il plus respectueux de l'environnement que d'autres secteurs? Eh bien, pas forcément, pas pour 63% des interviewés à notre étude Ipsos Global Advisor, qui estimaient que le luxe n'était pas plus vertueux que d'autres secteurs. Alors, c'est un chiffre qui m'avait étonné parce que, au regard des efforts qu'a fait l'industrie du luxe, notamment pendant la pandémie, en produisant des masques, des gels hydroalcooliques. Mais manifestement, cette image positive de RSE n'est pas encore perçue par le grand public. Pourquoi? Parce que le luxe active des images, des perceptions antagonistes par rapport à ces sujets. D'un côté, les gens vont dire oui, c'est des produits de très haute qualité qui sont faits de façon artisanale. Deuxièmement, ils vont dire oui, ce sont des produits durables, parce qu'un sac, si on en prend soin, va durer 20 ou 30 ans. Mais d'un autre côté, le luxe, c'est du superflu. On n'est pas obligé d'avoir une montre à 10 000 euros pour pouvoir lire l'heure. Et puis par ailleurs, le luxe est dans un cycle de création permanent. Il y a des défilés tout le temps et tout ça est fortement consommateur de ressources. Donc au final, en tout cas, le luxe doit poursuivre ses efforts dans le domaine environnemental parce qu'il a des fondamentaux solides et parce que les gens considèrent aussi qu'ils ont des marges de manœuvre pour pouvoir faire bouger les lignes.